Die Thematik der zirkulären Migration ist das wird hier so ein bisschen verstanden als das ehemalige Gastarbeitermodell. Leute kommen hierher, weil Deutschland Arbeiter braucht oder Frankreich oder England. Und dann werden sie wieder in die Wüste geschickt. Sie sollen nach Hause gehen. Das hat mehr oder weniger funktioniert. In Afrika ist dieses Modell, dafür ist Mali tatsächlich ein hervorragendes Beispiel, ist dieses Modell seit dem 19. Jahrhundert, also gut 200 Jahre, auch international erprobt. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute mit malischem Pass in Frankreich leben, das waren vor, ich habe da keine aktuellen Zahlen, aber 2011 waren das ungefähr 100.000, 60.000 legal und vielleicht 30.000, 40.000 ohne legalen Aufenthaltsstatus. Obwohl es 150 Jahre Migration von Mali nach Frankreich gibt. Das heißt, diese geringe Zahl von Maliern, die tatsächlich in Frankreich ist, ist nicht nur ein Indikator dafür, dass die Grenzen zunehmend geschlossen sind, sondern ist auch ein Nachweis dafür, dass die Leute, die aus dem Westen Malis nach Frankreich gehen, also die Region Kai im Westen Malis, ist die Region, wo Leute die Tradition haben, immer noch haben, nach Frankreich zu gehen, dass diese Leute nicht nach Frankreich gehen, um sich dort niederzulassen und langfristig zu bleiben. Das macht natürlich immer ein Teil der Leute auch, sondern die Idee ist, nach Frankreich zu gehen, weil auch die Generation der Eltern nach Frankreich gegangen ist, um dann aber zurückzukehren. Das heißt, die Leute, die wollen nicht als Straßenkehrer in Frankreich irgendwann in Rente gehen, sondern sie wollen schauen, dass sie ein bisschen Geld machen, dass sie vor allen Dingen aber auch Erfahrungen sammeln. Eine der Intentionen, die mich dazu antreibt, diese Thematik der Rückkehr oder der zirkulären Migration in den Vordergrund zu stellen, ist tatsächlich in Relation zu dem, dass die Politik hier im Grunde sagt, wer hier Asyl bekommt, darf bleiben und wer kein Asyl bekommt, muss gehen. Sprich, die Thematik von Schutz und so weiter, aber eben auch teilweise von Arbeit, ist ein Kriterium, wonach die Leute sortiert werden, ob sie bleiben dürfen. Ja. Und wer nicht bleiben darf, der wird zur Not zwangsweise aus dem Land getrieben. Wer nicht bleiben darf, der bekommt häufig Arbeitsverbote, Ausbildungsverbote, wird ausgegrenzt in irgendwelchen Dschungelcamps und so weiter. Wogegen man, finde ich, begründet argumentieren kann, dass das der falsche Weg ist. Dass es sinnvoller wäre, die Leute, und das sagt auch Herr Gauweiler, einer der Hardliner der CSU, in einem Interview diese Woche, dass es total bizarr ist, Leute hier zu alimentieren, Leute auszugrenzen, Leute hier sitzen zu lassen, ohne Deutschkurse, ohne Arbeit, ohne Ausbildungsmöglichkeit und sie dann zu vergraulen in irgendeiner Art und Weise. Wir sehen die Effekte tatsächlich, dass zum Beispiel die Leute aus Senegal, die hierher kommen, die sind zum großen Teil in Bayern, die dürfen nichts, die dürfen überhaupt nichts und entweder bleiben sie werden krank, sie tauchen unter, arbeiten illegal, das heißt, sie öffnen wieder Flanken, mit denen, über die man sie kriminalisieren kann, oder sie wandern weiter in andere Staaten, nach Frankreich, nach Belgien, nach Spanien und leben dort illegal und schauen, dass sie dort bessere Chancen haben. Das kann kein Ziel einer irgendwie gearteten Migrationspolitik sein, dass die Leute, die hierher kommen, untertauchen müssen, weiter flüchten müssen, illegal leben, in dieser Situation extrem ausgesetzt sind allen Formen der Ausbeutung und der Kriminalisierung. Das kann kein vernünftiges Ziel der Politik sein. Und dagegen, denke ich, kann man setzen, dass wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, Deutsch zu lernen, die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten, dass dann zumindest ein Teil der Leute auch sieht, okay, ich kann hier meinen
Glück machen, ich kann hier erfolgreich sein. Und dann eben überlegt, nicht hier zu bleiben, sondern eben auch wieder zurückzugehen. Ja. Das heißt, wir haben, es wird als zirkuläre Migration, wird häufig so diskutiert, dass man sagt, okay, bei Arbeitskräftebedarf holt man Leute rein und wenn man sie nicht mehr braucht, kickt man sie wieder aus dem Land. Ja. Das ist so, sagen wir mal, die repressive Variante, aber man kann das durchaus auch positiv wenden, denken wir, indem man sagt, integriert die Flüchtlinge, die hier sind, egal von unabhängig von ihrem Status, ob sie Schutz bekommen oder nicht bekommen. Wir wissen alle, dass diese Asylschutzvergabe auch eine sehr politische Frage ist. Manche kriegen leicht Schutz und die anderen eben nicht. Und das wird politisch entschieden. Aber unabhängig von dieser politischen Verfolgung oder Schutzdebatte, lasst die Leute arbeiten und lasst sie dann selbst entscheiden, ob sie bleiben können oder gehen, wieder zurückgehen wollen. Ja. Wir wissen alle, dass die Rücküberweisungen, diese sogenannten Remittances, in vielen Ländern einen beachtlichen Bestandteil des Vermögens, des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Das sind häufig 15% des gesamten Geldes, was generiert wird, des Kapitals in Herkunftsländern. Aber wir sehen natürlich auch die Sachen, wo Flüchtlinge, Migranten Geld zurückschicken an die Familie. Das ist immer noch der allergrößte Teil, dass die Familie quasi der Adressat von Geldsendungen ist. Aber eben auch in Vereine, die sich um eine lokale Entwicklung in den Dörfern kümmern, wo die Flüchtlinge herkommen. Das kann man in Westmali hervorragend sehen. Dort gibt es die Kritik, dass der Staat, der malische Staat, sich aus dieser Region Kai fast völlig zurückgezogen hat, weil es die Migranten sind, die über ihre lokalen Vereine die Krankenstationen bauen, die Schulen bauen und nicht nur das, sondern auch das Personal in den Krankenhäusern und in den Schulen finanzieren. Das heißt, der Lohn der Leute, die dort in den Schulen arbeiten, kommt in der Regel aus Frankreich. Und das sind natürlich Sachen, wo wir sagen können, da findet eine enorme Entwicklung statt. Da können wir aber gleichzeitig sagen, es kann nicht sein, dass man den Staat, der zuständig wäre für diese Einrichtungen, dass man den völlig aus der Pflicht nimmt. Aber man kann an diesen Beispielen sehen, dass Migration eine sehr positive Entwicklung fördern kann, stützen kann. Es gibt eine Organisation, die versucht, diese migrantischen Bestrebungen in Richtung Entwicklung zu unterstützen. Das ist die GRDR, das ist ein Verein, den gibt es seit 40 Jahren. Die haben begonnen in der Kooperation mit Migrantinnen und Migranten und machen das immer noch so. Wir haben versucht, 2010, glaube ich, mit dem GRDR ein größeres Projekt zu machen, EU-finanziert. Das hat die EU nicht interessiert. Das heißt, jetzt wird gerne gesagt, Entwicklungsorganisationen wie die GIZ in Deutschland, die haben Kompetenz in Fragen der Migration und so weiter. Als wir 2010 versucht haben, mit der GIZ ins Gespräch zu kommen, dann hatten die niemanden, der sich mit Migration auskannte. Ja. Der Einzige, den sie uns zur Verfügung gestellt haben als Gesprächspartner, war jemand für kleinräumliche Bewässerungswirtschaft, ja. Der null Informationen hatte zu der migrantischen Situation, zu den Effekten, auch die migrantischen Gelder in dieser Region als Entwicklungsimpulse geliefert haben. Ich denke, dass Mali ein gutes Beispiel ist. Ich denke, wir können das nicht verallgemeinern. Es gibt Regionen, die Kapverden zum Beispiel, da ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung irgendwo außerhalb der Inseln. Ja, da gibt es auch Rückkehr, zirkuläre Migration, aber vieles dieser Migration ist tatsächlich erstmal aus dem Land heraus. Es braucht gewisse Bedingungen, es braucht auch Perspektiven im Land, um auch Rückkehr attraktiv zu machen. Die Leute aus Mali, die wollen eben nicht vereinsamt als Straßenkehrer in Paris oder als Tellerwäscher ihr Leben beenden. Sie wollen zurück dahin, wo sie auch eine soziale Anerkennung bekommen für das, was sie geleistet haben, für das, was sie machen können. Und diese Leistung, das, was sie erreicht haben, das ist genau das,
was sie unterscheidet von denen, die abgeschoben sind. Vielleicht ist das so der Punkt, wo Alassane Dicko jetzt weitermachen kann. Wer ohne Geld mit leeren Händen zurückkehrt, und nicht nur in Mali, das ist das Gleiche in Kosovo, Afghanistan oder wo immer man hinguckt, wer ohne Geld zurückkehrt, abgeschoben wird, der gilt bestenfalls als Verlierer, als Loser und schlimmstenfalls als Krimineller, weil er muss ja irgendwas gemacht haben, dass er aus Amerika, aus Europa wieder abgeschoben worden ist. Und das sind die Leute, die keine Ressourcen haben, keine Möglichkeiten haben und vor allen Dingen auch nicht die soziale Anerkennung der Familie, der Freunde, der Nachbarschaft haben und die, wenn überhaupt, dann sehr bescheiden ihr Leben fristen in aller Regel. Und gegenüber diesem Bild, diesen Effekten von Abschiebung von der europäischen oder amerikanischen Flüchtlings- und Migrationspolitik, kann man eigentlich dieses Modell von zirkulärer Migration, von einer erfolgreichen Rückkehr setzen und sagen, das wäre eine Sache, wo eben alle, auch die Herkunftsländer, gewinnen können. Chez nous, au Mali, et comme dans le bassin de l'Afrique de l'Ouest, ce que vous appelez le migrant, parce que nous, nous ne l'appelons pas comme ça, quand même, les voyageurs, parce qu'ils voyagent, les déplaçants, les acteurs de la mobilité, il faut qu'on trouve des mots qui nous conviennent à nous, qu'on ne suit pas une certaine polémique. La polémique aujourd'hui nous permet de valoriser la migration circulaire. Ce n'est pas une philosophie, c'est quelque chose de très pratique. On va s'expliquer un peu et trouver, croiser nos analyses. Donc, c'est bon? C'est des acteurs déjà de la mobilité, comme je dis. Et en plus, c'est des acteurs du développement. C'est quelque chose qui est réel, dans le sens où, déjà, aujourd'hui, le débat qui est en Europe, qui est en Allemagne, il s'agit de faire une différenciation entre ceux qui ont droit à un asile et les migrants économiques. Oh là là. Donc, acteurs de la mobilité et acteurs du développement. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas philosophique. On va suivre ensemble la pratique de cette mobilité. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas une classification, mais nous avons une société à vocation. C'est-à-dire des gens qui font une pratique. Il y a des familles commerçantes, des familles d'agriculteurs, voilà. C'est comme ça que la société est structurée. Et donc, on peut dire depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'être humain a toujours vécu, qu'on ne soit pas fâché quand on dit depuis longtemps. Depuis longtemps, ça veut dire que ça a été pratiqué, expérimenté. Donc, ces sociétés-là, les pêcheurs, ils suivent le cours des fleuves. Vous savez que les poissons aussi migrent, ils vont, ils viennent. Donc, dans leur vie pratique, les pêcheurs, chez nous, il y a des ethnies, des groupes sociaux de pêcheurs qu'on appelle les bozos. Il y a d'autres groupes. Ils sont nombreux. Ils sont dans tout le centre du Mali, autour des différents lacs. Et en intersaison, ils débordent jusqu'à l'office du Niger, c'est-à-dire dans la région de Ségou. Et ceux qui sont vers la frontière du Sénégal, parce qu'on a un fleuve avec le Sénégal aussi. Donc c'est cette vie-là, c'est une vie de déplacement. C'est une dynamique en fait. Ils vont, ils ont la ressource, ils s'apprêtent à un certain moment. Donc c'est circulaire, c'est-à-dire à un moment, ce n'est pas une volonté que je reviens. Non, c'est le retour. Est une boucle qui boucle, c'est le retour boucle ce cycle de vie là. C'est ça la différence. C'est pas lui qui se force à revenir, mais c'est la pratique même de son déplacement et son projet de migration
Et ça termine par revenir à sa base. Au Mali, comme en Guinée, comme au Sénégal, il y a un proverbe dans les différentes langues. On dit, on prépare le retour le premier jour où on bouge. Donc vous voyez bien que il y a l'idée de revenir. Dans ce fait-là, les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre, les cultivateurs, il y en a beaucoup. Au Mali, au Sénégal, c'est près de 75% de la population. Vous savez que les terres cultivables ne bougent pas. Donc, c'est les cultivateurs qui vont bouger. En Afrique, depuis longtemps, nous avons eu toujours des techniques de jachère, des techniques de brûlis. Donc, après 3, 5 ans, 8 ans, 10 ans, on appauvrit un sol et on va devant. Et après 5 ans, on a son premier fils qui a grandi, on lui donne une femme, il a un gosse, on lui donne un champ devant. Donc, on pousse. Et vous avez comme ça des déplacements dynamiques qui sont en relation avec leur vie. Donc, les cultivateurs, les agriculteurs, ils sont dans cette dynamique aussi d'étendre. Donc, vous voyez. Et ils vont très loin. Ils vont très loin. Vous avez des Maliens pêcheurs qui se retrouvent jusqu'au lac Tchad pour pêcher de certains types de poissons. C'est des pêcheurs maliens même que les gens aiment là-bas parce qu'ils ont une technique. Donc, chaque année, à un certain moment, ils vont tout doucement jusqu'ils arrivent là-bas pour faire un peu plus de fric et ils reviennent. Les commerçants, c'est à travers cette mobilité qu'ils ont installé les groupes de vie en Afrique de l'Ouest. C'est à travers la mobilité que les familles, les groupes de personnes se sont déplacés. C'est dans la mobilité du Mali, je vous apprends que c'est le bassin Mandingue. Tout est parti de là. Vous pouvez retrouver ça dans l'histoire. C'est du Mandé que les populations sont débordées vers la Gambie, vers le Sierra Leone. Et donc, c'est des faits réels de notre monde. Nous ne pouvons pas les ignorer. Et ça a structuré notre vie pendant longtemps. C'est ce qui a donné ces composantes sociaux des peuples-là. La migration, pour nous, c'est comme une solidarité ouverte. Parce qu'il faut partir pour se libérer, pour voir du monde, ajouter ses capacités, trouver quelque chose. Nous trouvons que pour notre part, c'est quelque chose de très positif. Si c'est contrôlé. Vous avez le cas spécial de la Libye. Vous avez différentes vagues de migrants qui sont allés en Libye. Je vais vous rappeler seulement que dans les années 70 même, le regretté Kadhafi avait créé la Légion du Sahara. C'est avec tous ces jeunes désœuvrés qui n'ont pas de travail, ils ont eu un nom. Tous ces jeunes qui n'ont les Ishumar, c'est-à-dire c'est bien, c'est le chômeur. Parce que dans les années 70, encore, les gens partaient en Mauritanie. La plupart des mécaniciens en Mauritanie, c'est des Maliens. La plupart des menuisiers, c'est des Sénégalais. La plupart des chauffeurs de taxi en Mauritanie, c'est des Guinéens. Et la société fonctionne comme ça. Ils n'ont pas réellement de problèmes. Oui, il y a des problèmes sociaux, des tensions qui arrivent à certains moments, c'est clair. Mais je veux dire que c'est structuré, c'est-à-dire c'est une vie dynamique quotidienne qui est structurée comme ça. Donc, amener des politiques qui vont contraindre des gens à choses, c'est plutôt même bloquer nos vies. En fait, moi je trouve même que c'est très criminel. Vous trouvez des gens qui ont une vie réglée, ils vont, ils viennent, ils font des choses par rapport à vos trucs, et par rapport au bien-être des Européens, et vous emmerdez les gens. Aujourd'hui, on ne peut plus bouger entre nous. Ce n'est pas du tout bon. Jusqu'en 2005, la Méditerranée n'a pas tué quelqu'un. Il n'y a pas eu de mort en Méditerranée. Depuis quand il y a la mort en Méditerranée? C'est à partir de 2005. Quand Frontex s'est installé,
où on a eu les événements de Ceuta et Melilla. La Méditerranée n'avait jamais tué. Les pêcheurs sénégalais vont pêcher jusqu'aux îles Canaries et ils reviennent. Ils vont, ils font les croisements avec les pêcheurs basques. Mais ce monde, l'Union européenne ne va pas nous changer ce monde comme ça. La liberté de circuler, ce n'est pas ouvrir les frontières. Les gens pensent que nous sommes fous. Il y a des souverainetés, il y a des lois, c'est très clair. Moi, je suis républicain. Donc, j'aime les lois qui aident à progresser. OK? La liberté de circuler, ce n'est pas d'ouvrir les frontières que je vais où je veux. Non, il ne s'agit pas de ça. La liberté de circuler, c'est le complément et l'ensemble de tous les droits de l'être humain. C'est en même temps le complément de l'être humain, mais c'est en même temps l'essence même de tous les droits humains. C'est la liberté de circuler. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain s'il n'a pas la liberté de circuler? Alors, ce serait une bête en cage. On est d'accord? Donc, l'Union européenne nous met en cage, il déstabilise notre vie socio-économique. Le professeur l'a dit, vraiment, pour des gens qui ont une idée de la région des Kayes, et même d'autres régions, au Sénégal, c'est plus fort encore. Vous avez des villages et des villes entières qui sont gérées par les migrants. Actuellement, le Sénégal même a donné, je crois, 15 places de députés à ces migrants de l'extérieur. Parce qu'ils sont acteurs, ils participent, malgré qu'ils soient à l'extérieur dans différents pays, ils communiquent, ils envoient, ils s'intéressent, ils sont... Oui, parce qu'au pays, nous avons beaucoup de marasme. Et donc, quelqu'un qui apporte un peu, il faut le valoriser. C'est cela. Donc, la liberté de circuler, c'est un droit opérant. C'est un droit qui me permet d'être humain, d'activer, de faire ce que... de progresser. C'est ça. Donc, la liberté de circuler, nous sommes des activistes, mais nous ne sommes pas des petits fous. Nous savons que les pays sont gérés, il faut des documents pour voyager, c'est très bien. Il faut avoir un passeport, il faut avoir un carnet de vaccination internationale. C'est les deux choses qui sont demandées à tout être humain. Mais quand c'est chez nous en Afrique, on va te demander encore 15 autres papiers de plus. Tu vas te demander papier même pour savoir qu'est-ce que tu respires. Il faut trouver un papier pour ça. Donc, nous sommes entravés dans notre dynamique même socio-économique de vie. C'est ça la réalité des migrations aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est aujourd'hui qu'il y a les morts en Méditerranée, à cause justement des politiques européennes au Maroc et autres, et à cause de tous les bisbilles de Kadhafi. Et je maintiens que des pays comme l'Italie, c'est-à-dire des chefs d'État même comme Berlusconi, comme Sarkozy, devaient être traduits. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Je termine par la crise qui est en Libye, et qui a affecté le Mali, et qui a affecté toute la région même. En fait, c'était une bombe à retardement. Comme je vous ai dit, pendant ces 15 ans où Kadhafi faisait ses transactions, migration avec choses, mais c'est tout un stock migratoire qui se composait en Libye. Et donc, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, ou je ne sais pas, la révolution libyenne quand même, c'est cette bulle migratoire-là qui a éclaté. Les Chinois seulement étaient 300 000. Moi, j'étais à la frontière, j'ai fait 28 jours à Rachjedi, à la frontière Tunisie-Libye. Nous avons été les premières équipes à aller sur place avec le HCR pour commencer à construire les tentes pour accueillir les réfugiés maliens. Nous avons accueilli 32 000 réfugiés maliens. C'est-à-dire chaque matin, avec la Croix-Rouge, la frontière est là. Tu as la Tunisie là, tu as la Libye est là. Et donc, les jours où il n'y a pas de bombes et trucs, on va avec la Croix-Rouge, on rentre, on fait peut-être 20-30 km. On va tout doucement pour croiser les gens qui viennent. Ils viennent à pied, ils fuient, tout le monde fuit. Donc, on les croise, on a d'autres véhicules derrière, on les met dedans et on vient. Souvent, pendant deux jours, il y a la guerre, boum, 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 on ne peut pas bouger. Et souvent, c'est eux-mêmes. Il y en a 10 000, 20 000 qui viennent par jour, toute nationalité. C'était vraiment l'apocalypse. Mais pourquoi? C'est une bulle migratoire qui a éclaté. C'est pourquoi la crise libyenne est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle est mélangée avec la problématique des migrations.
Kadhafi avait des hommes de main qui l'actionnent pour ouvrir les vannes ou les fermer. Et maintenant, le maître Kadhafi n'est plus là. Ces vannes-là sont dans les mains des fractions rebelles et autres. Les passeurs, ce n'est rien d'autre que ces mêmes personnes. L'Union européenne nous trompe en disant qu'ils vont lutter contre les passeurs. Est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un qui est passeur? Les passeurs sont les mêmes personnes, c'est des gens de sécurité, c'est toute cette clique qui était dans la machinerie de Kadhafi. Kadhafi n'est pas là, mais d'autres sont là. Chacun continue son commerce, chacun a sa plage, chacun a ses petits bateaux. C'est comme ça que ça marche. Là-bas, c'est très ouvert, il n'y a rien qui est caché. Et maintenant, qu'est-ce que l'Union européenne fait? Ils disent en Europe qu'ils luttent contre les passeurs, mais sur place, ils travaillent avec ces mêmes passeurs pour apporter plus de difficultés aux migrants, pour les décourager. Aujourd'hui, vous avez des choses atroces qui se passent. Je m'excuse, mais j'ai vu des Soudanais, des Érythréens, qu'on les a endormis pour enlever un rein. C'est une nouvelle donnée dans ce blocage migratoire en Libye. Les trafiquants d'êtres humains. En général, les chauffeurs, ils déposent les migrants en plein désert quelque part. Et donc, tu as un autre groupe qui vient, qui les arrête. Ils ont tous, chacun a une Kalachnikov là-bas. Là-bas, les Kalachnikov, c'est comme le cure-dents, quoi. C'est comme la brosse à dents, chacun en a un, quoi. Donc, c'est ça. Quand tu vois 3-4 migrants, déjà, tu calcules, ça fait l'argent. Allez, venez ici, tu les prends, tu les mets dans ta maison, tu les enfermes. Et voilà, chacun doit appeler ses parents pour envoyer l'argent par Western Union. Et c'est devenu quelque chose de normal en Libye. Un policier peut le faire, un groupe de jeunes du quartier peut le faire. Et c'est plus structuré avec les gens de sécurité. Parce qu'eux, ils vont, ils les raflent. En fait, c'est une manière de gagner l'argent. Donc, c'est la même technique de Kadhafi qui continue. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même transaction commerciale. Parce que l'Union européenne, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est avec ces mêmes passeurs qui travaillent pour donner plus de problèmes aux migrants. On les fait disparaître comme ça. Ils vont avoir peur, ils ne vont plus venir. Et pour terminer, j'ai dit qu'il y avait 32 000 Maliens avec l'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, nous avons fait venir au Mali. C'est pour ça que j'étais parti. Et tous ces 32 000 Maliens, de jeunes, la plupart, ils viennent des régions du nord du Mali. Comme c'est la Libye, comme j'ai dit, c'est plus des gens du nord et autres là qui vont en Libye. Et ils sont revenus, nombreux. Le gouvernement les a traités un peu bien, leur a donné l'eau chaude avec un peu de lait chaque matin pendant 3 jours et il dit bon, que tout le monde parte dans son village parce qu'ils n'ont pas de fonds de soutien. Donc c'est comme ça. Ils sont arrivés au bout d'une semaine, tous ces 30 000 et quelques de jeunes déjà, ils sont partis. Ils sont partis où? On ne sait pas. Mais 6 mois après, le Moudjahou a été créé à Gao. Le Moudjahou, c'est un des groupes terroristes qui a la vocation même de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est ce groupe terroriste, islamo-terroriste, qui a pris tous ces jeunes-là. Et tous les jeunes migrants qui bloquent en route, quand ils les attrapent, ils les incorporent dans leur groupe, by force. Et c'est ce qui a constitué le Moudjahou. Le paquet de ces jeunes venus de Libye, et ils parlent la même langue avec ces gens du Moudjahou. Parce qu'ils étaient en Libye ensemble. En fait, sans faire attention, la bulle a éclaté. On a laissé les mêmes gens qui étaient dans le même environnement là-bas de violence. Ces mêmes se sont retrouvés. Et bon, puisque le gouvernement ne fait pas d'attention, il ne s'occupe pas des gens. Et voilà, donc les jeunes sont obligés de travailler. Tu viens t'inscrire dans ce groupe djihadiste, on te donne une moto, on te donne 150 000 francs CFA, ça peut faire combien en euros comme ça? Je sais pas. Voilà. Et tu es bien, quoi, parce que tu deviens quelqu'un. Au moins, tu es dans ton village, tu es respecté, tu peux te marier. Ça, c'est l'envers de la migration. Ce n'est pas ce que ces jeunes voulaient. Donc, il faudrait qu'on fasse attention, la migration peut déstabiliser des vies. Et n'oublions pas, en début, j'ai dit que l'un des plus gros facteurs de migration, c'est le changement climatique, c'est chaque jour.
Donc on dit que celui-là est asilant et celui-là est économique, c'est du faux. L'économique, il est venu pour des raisons qui sont peut-être plus graves. Je ne minimise pas, mais il est difficile de faire un lien. Je vous remercie.